Eh bien, journée d'activité, ça c'est une activité qui prévoit dans le projet. Puisque le projet est un projet qui visait pour nous construire, pour nous bâtir, pour nous former des jeunes leaders dans la gestion et crise humanitaire et urgence. Que M. Yvon Janvier, qui est docteur en droit, est préparé, est postulé pour lui, il a remporté RIA, il a rendu compte que aujourd'hui, on prie comme ça, il faut le partager avec la population, hein, et particulièrement, eh bien, GRAD, qui est un groupe d'appui au développement et à la démocratie. Donc, aujourd'hui, nous avons pris disposition pour nous inviter tous les représentants publics qui sont touchés par le projet, hein, pour nous faire une présentation du projet, à dire qui est là, qui s'en a pris pour nous faire, et qui est là pour nous faire, qui est ce monde qui a touché. Donc, c'était important aujourd'hui pour nous être capables rencontrer avec ensemble d'acteurs ça yo qui gagne non seulement moun qui bénéficie projet représentant yo mais gagne tout des représentants des directions départementales qui étaient là qui c'est des directions qui et ben des directions qui capable al travailler avec moun qui mettait projet en place et particulièrement les membres de la société civile je dis à pour capable qui ça cap fait pour capable préparer des citoyens et des citoyennes au niveau de la population qui capable travailler dans sa nourrir aujourd'hui à gestion risque et désastre, dans ça nous les protections sociales, mais dans ça nous les tout activités qui arrivent à bâtir la résilience citoyenne. Donc c'est dans ce sens ça nous avons fait activité ça, Jean-Louis là, tout le monde te répond et nous sommes satisfaits des premières activités comme ça qui rentrent dans quatre projets. Il a parlé de temps à l'heure. Est-ce que son projet à court terme ou bien à long terme? Oh, c'est un projet à court terme. À court terme, l'aime dit court terme parce que lié est en ISO 7 à 10 mois. Donc, ce n'est pas un gros projet lié, c'est un mini projet, mais qui gagne toute valeur, je dis, dans construire résilience avec la population. Mais aussi, surtout, dans permettre que la population soit formée, soit entraînée dans la capacité pour gérer tout ça nous gagne comme risque. Des désastres, catastrophes, cyclones qui sont venus, tremblements de terre qui sont venus. Des fois, nous victimes, et puis nous attendons l'autre monde. Vin pote n secours. Les moun ka pote n secours sorti dans pays étranger et pour venir ça prend autant. Donc avant que yo arrive, faut que moun sa yo capacité pour yo même tout yo capable intervenir pour permettre que nous ka sauver le plus de vies. Non seulement ça tout, pour permettre que population l'elle sorti dans situation ça, comment le capable faire pour sortir pour le monde lever tête li, c'est ça nous veut la résilience. En 2024 en Haïti et plus précisément dans Grand Canada. Ça, on projet comme ça, qui est importance clé d'après vous même en tant que acteur dans projet ça qui a expérience qui est importance clé pour projet comme ça et qui ça impact direct ou la lié sur communauté. Ah, un projet comme ça joue une importance li par rapport à un degré de vulnérabilité départementale. Parce que département Grand Anse qui c'est un département dans Grand Sud là et nous connaissons Grand Sud là son zone qui est exposée à toutes sortes de catastrophes naturelles. Non seulement tremblement de terre, non seulement ouragan avec un pile avec cyclone. Donc tout ça, même sécheresse. Donc nous avons ensemble de situations auxquelles que population est exposée. Nous comprenons que aujourd'hui nous pas cachita seulement attendre que nous portez ben nous. Il faut que nous-mêmes nous préparer pour nous capable de faire face à tout ça. 2010 nous était ça qui arrivé, mais nous-mêmes dans grandance nous était ça des victimes avec 2016 pour Agomafio, 2021 nous voyons ça qui passait avec ce tremblement de terre là qui vient recycler encore. Donc nous dit que dans ce cycle, dans la dynamique catastrophe, ça nous plonge nous là, nous pas qu'il y a l'autre bagaille pour nous faire parce que nous ne pouvons pas courir quitter le département, mais nous devons travailler pour nous préparer. Même gens, je veux dire les Japonais, ils ont qu'à vivre avec tout ça au gagné comme risque sismique, ils ont adapté avec elle, mais c'est une volonté nous gagner pour la population. Qui a un comportement qui permet de capable de résister et de capable de faire face à chaque situation. Et pas pour ça, c'est qu'il y a plus de monde qui est formé, plus de monde qui est préparé pour aller porter le message dans toute la communauté et permettre que les gens soient capables de préparer à tout ce qu'il a gagné comme situation difficile. On va parler en termes de formation. Qui est-ce qui gagne dans la formation? On pense qu'un jeune et quelqu'un soit mon nom qui a participé à la formation à bien vouloir. Eh bien, nous gagnons plusieurs thématiques qui sont envisagées. Une dans thématique c'est gestion risque avec désastre. Deuxième dans thématique c'est
bénévolat. Ça, c'est important parce que nous vivons dans la société. Côté, pour nous mener comme ça, nous pas obligés de des gens qui viennent se toucher, toucher seulement. Moi-même, songer, nous avons un petit fait qui prend un capage là, pour l'église là. Eh bien, comme bon jeune garçon qui rentre dans l'éthème différent, il n'y a pas de payer au point. Seulement, il était préparé, il a gagné le commandant s'infecté là, à qui nous prenons un gros hommage, je dis à pour saleté qu'on fait. Nous dit, eh bien, il n'y a pas là, et même nous-mêmes, nous étions tous. Donc, c'est préparer les jeunes, de sorte que ils sont capables de prendre formation et préparer en conséquence. Pour les intervenus, ils sont capables d'intervenir en tant que professionnel et sauver la vie, permettre que les gens sortent dans la situation. Pour eux-mêmes, ils ne sont pas victimes pendant absolu. Eh bien, je dis à ce que plaisir que vous avez gagné M. Fouton dans le JICOM. J'espère que le projet ça, un chemin. Merci, monsieur. C'est un plaisir pour nous. Remercier tout représentant média qui là. Ça a montré moins intérêt nous pour une activité qui est communautaire. Et je prends ça à cœur et je souhaite que nous accompagnions moins jusqu'à la fin de la réalisation du projet ça. Pour moi-même, pour journée, lancement du projet ça, alors son programme de formation. Je suis là pour former des mondes la question crise humanitaire, la question urgence. Donc, ah ouais, tout le public là répond. Au-delà de ça, nous tapatons, ça montrait encore une fois, même Jean nous fait en 2021, après le tremblement de terre là, ça montrait nous gagner deux mandats là, dont nécessité, dont urgence pour former Mounio, sensibiliser Mounio. Et nous, question d'adresser des questions qui sont pertinentes. Nous avons besoin qu'on ait qui ça qu'a fait pour un projet comme ça. Et nous pensons avec participation communautaire, nous avons abouti, nous avons besoin de résultats qui nous ont c'est-à-dire renforcer les compétences, rendre plus résilients, montrer, développer la capacité pour répondre à les catastrophes, les inondations. Si tu as un tsunami, et nous pas souhaité ça, mais les cyclones nordés, nous sommes toujours victimes de tremblements de terre. Donc, le projet ça a renforcé la capacité de nous. Pour qu'ils répondent, pour qu'ils comment pour réagir, comment pour former les gens pour réagir. Donc, je suis satisfait pour moi-même à plus que 100% parce que tout public cible direct nous répond, organisation société civile, représentant quartier qui est plus vulnérable, l'Angérimio, représentant l'école, yo, représentant faculté, université, yo, yo tout est présent, je suis content et puis je suis satisfait. Et je voulais que satisfaction ça allait jusqu'à fin projet. Docteur Yvon, qui s'agit de même tout et venir avec une telle initiative pareille? Initiative ça, bon, il remonte à 2021. Après cyclone qui était gagné, après tremblement de terre qui était gagné, qui vient aggraver par tremblement de terre 2021, il vient montrer davantage vulnérabilité physique, fragilité physique, département Gandastan, en particulier Ville Jérémy. Grade tes premières organisations qui réalisaient une activité, côté des besoins, montrer mon yo, mais comment pour réagir, mais comment pour accompagner mon qui victime et pour nous accompagner tout le monde qui est victime non seulement physiquement mais monde qui est victime mentalement. Il a toujours oublié mon ça. Nous avons réalisé l'un des réalisés activité ça d'après diagnostic nous avons fait enquête nous avons mené sur place. Nous avons dit faut que bon formation comme ça qui est faite de manière permanente. Un et ça fait nous venir lancer un institut qui a formé mon lancement. Deux, la même moment nous former un institut hein, puisque tu as une compétition en tant qu'ancien boursier gouvernement américain, il y a une fenêtre là pour nous participer dans le concours, nous présenter le projet ça. Et puis nous gagnons parmi 280 l'autre monde n'est pas seul gagnant, faut nous dire ça, gagnant, au moins deux gagnants dans tout pays qui participent dans le concours. Mais pour Haïti, nous c'est une plan gagnant. D'accord? Donc voilà, et mais c'est ça nous allons réaliser là. Nous parlons de formation qui va nous et qui sont risque avec. Est-ce que nous jouons et qu'est-ce qu'on nous joue en termes de matériel parce que nous connaissons ça au moins en public. Nous avons besoin de support parce que nous avons besoin de protection civile. Nous comptons sur quelques matériels, puisque le projet à fond est minime.
et nous avons quelques matériels n'a pas acheté pour nous faire exercice de simulation, mais nous avons quelques matériels tout n'a pas joint et quoi rouge cap banouyo. Parce que là n'a pas les deux premiers soins, nous pas gain matériel ça coûter en pile cop, mais comme quoi rouge lui-même, il y a des institutions qui mettent matériel à disposition. Donc n'a utilisé matériel ça en cas de séance, exercice n'a fait parce que nous pas gain l'argent pour acheter nous-mêmes. Et qui ça on va besoin pour participer de démocratie. Bien, on dit que public ça, il est déjà identifié. Il y a trois publics cibles, je vais reprendre pour vous. C'est quatre qui sont vulnérables. Il y a des points focaux de protection civile. On prend cinq personnes, dans les 10 quartiers vulnérables. Dans l'école, on mêle avec la faculté et l'université. On considère 20, on prend 3. Par entité ça yo l'organisation société civile yo qui a fait plaidoyer pour type d'action ça yo pour pas seulement garde qu'a fait n'a prend 3 représentants dans 10 organisations société civile qui a fait 140 bénéficiaires directs ne pas qu'a faire plus parce que c'est limite nous qu'a prend est-ce que c'est possible d'énumérer sanctions différentes institutions que vous marquez ça pour ça parce qu'il y a grade la protection civile le CHS3 avec USA. Bon, allez, grade. Moi, c'est coordonnateur grade de ce groupe d'appui au développement à la démocratie. Moi, c'est coordonnateur grade. En tant que coordonnateur, moi, traverse ce projet sous grade. Je fais grade exécuté. Mais moi, derrière, entité ça, qui sont centres de formation de recherche dans la question humanitaire, ILEA. Donc, ILEA, équipe qui avait dans ILEA, et pas toute équipe ça qui est en grade, ils ont accompagné nous dans le projet. Ou pas qu'à faire un projet comme ça, qui est en compétence protection civile, qui sont l'entité de l'État. Même les ils ont une certaine autonomie. Donc, on a servi avec technicité protection civile. Maintenant, ça nous est là. Ambassade américaine en Haïti, c'est lui-même qui va nous faire un prix, nous gagner, lui pas assez, et puis nous demander Fondation communautaire FCH Espoir reste là pour nous réaliser mini projet ça, pour nous réaliser toute activité qui est dans le projet. C'est rôle chaque entité ça. Est-ce qu'on peut parler exactement tout projet? C'est possible. Projet a pris nous rien. Total, il vient environ 31 000 $. Dans 10 mois, pour prendre tout public ou gagnant, ça, le pape a fait toute activité, matériel qui gagnant, besoin de drones qui pour couvrir le quartier, besoin de tablettes pour des jeunes, pour mener des enquêtes, pour faire cartographie, zone riche, zone de coup de ébola, besoin des jeunes, des volontaires qui m'ont payé des primes qui pour mener enquête ça. Donc, dans 10 mois, si l'agence a trop petit. Donc, comme je t'ai montré, l'aime ta première projet, et dit les limites ça que je vais joindre. Maintenant, je révèle près de 48 000 $. Balance là, je vais demander FCH Espoir. Mais je n'ai pas de garantie, je vais joindre toute balance là dans FCH Espoir. Et ça fait me donner mes questions qui posaient si je vais joindre quoi que ce soit. Si je ne vais pas tout comme ça, est-ce que le projet a campé? Non, il n'est pas campé. Nous avons des autres subventions, nous avons des autres aides pour nous. Et nous avons un rapport, même Jean-Noël nous fait là, nous avons réuni les gens pour nous faire un rapport et à l'ambassade américaine et à la Fondation communautaire Espoir et à l'autre côté qui a nos subventions pour nous réaliser le projet. Ça. Un projet comme ça, qui est-ce qui est développé par l'équipe ILEA ou l'EGRAT avec l'entité étatique qui est Synergie a été là, elle était visible parce que, d'abord, l'on projet ou ciblé des universités, des écoles, ou pas qu'à faire sans ministère de l'Éducation nationale. Si vous regardez bien dans l'école, vous voyez que lettre m'a envoyé d'invitation, que me dit ministère de l'Éducation nationale, je vais faire appel à des jeunes, ils approuvent l'aide, ils mettent sol. C'est l'aide ça qui est dans l'école, comme qui pour inviter les jeunes à courir là avec l'uniforme.
ou pas faire un projet comme ça sans la protection civile. Ou un représentant de protection civile là, votre table là. D'accord? Et ou pas faire un projet comme ça sans sous-balancer dans des quartiers sans la police. Ou être directeur départemental de la police là. Ou pas faire un projet comme ça sans pas impliquer corps pompier qui supposé des paquets de formation ça. Ou est responsable pompier à là. Donc toute entité est là pour nous arriver à journée ça et à prêter avec nous jusqu'à ce que le projet a terminé. Et qui est la protection civile dans l'activité ça? Alors merci pour la question. Protection civile dans quatre projets ça a exécuté comme organe qui représente l'État. Nous c'est organe qui représente l'État dans gestion de désastre dans le pays. Donc quel que soit le programme, projet qui a mis en exécution qui a un rapport avec GRD, gestion de désastre, donc nous là pour nous bailler les grandes directives, les grandes orientations. Donc, pour capable de meilleure mise en œuvre de projets. C'est dans ce sens-là qu'il fait nous être présents sous table comme partenaire direct de projet. D'accord, merci. Merci à vous.